Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter une fonctionnalité qui vous permet d'accéder alternativement en main libre aux fonctionnalités de l'appareil téléphonique ou tablette par le suivi du visage de l'utilisateur capturé par la caméra frontale. Donc comme vous voyez, je suis en train de bouger mon visage, je viens de sélectionner l'icône Chrome, je viens de valider, maintenant je vais revenir à l'écran d'accueil. Donc c'est parfait, comme vous voyez, donc je suis en train de contrôler en main libre mon téléphone avec les gestes de mon visage. L'installation de cette fonctionnalité, il suffit seulement d'aller sur le Play Store et vous cherchez Eva Facial Mouse. Et après, vous lancez l'installation de cette application. Donc, vous patientez le temps que le téléchargement s'effectue. Donc, ça dépend de la vitesse de votre connexion. Ça demande quelques secondes. Et après aussi, donc vous patientez le temps que l'installation s'achève, ça demande quelques instants. Et après, vous cliquez sur le bouton Entrée. Donc maintenant, il va vous demander d'accéder aux accessibilités pour activer cette fonctionnalité. Donc vous cliquez sur Activer et vous confirmez, bien sûr. Donc vous cliquez sur Oui, vous donnez l'autorisation d'accéder à la caméra frontale. Suivant. Maintenant, vous activez le clavier sur langage SEASY. Donc, vous sélectionnez Eva Keyboard, vous l'activez, vous confirmez. Et après, vous cliquez sur Suivant. Donc, voilà, il détecte le visage. Il vient de le détecter. Maintenant, il vous donne la rapidité du pointeur. Donc vous le laissez par défaut, vous cliquez sur suivant, suivant, suivant. Donc vous testez le bouton, donc ça marche. Vous cliquez sur suivant, suivant, le scroll, suivant. Donc c'est parfait. Finish. Donc comme vous voyez, après cette configuration, cette option vient d'être ajoutée au téléphone. Vous pouvez l'exploiter comme vous voulez. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'il vous a été utile. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à s'abonner et en même temps de cliquer sur la petite cloche pour avoir mes nouvelles vidéos. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt.